Nos invités ce soir dans la télédiciport du week-end sont des chanteurs, de jeunes chanteurs. Ça tombe bien, dans la télédiciport du week-end, il y aura de la chanson, il y aura de la musique. Chanson inversée, Blind Live. Heureusement pour eux. Malheureusement pour eux, il n'y aura pas que de la musique. C'est ça la bonne nouvelle. Thèse de culture générale au Antoine, à la Kelele, arrête-moi si tu peux. Ils passeront par toutes ces étapes-là pour espérer décrocher la victoire. Ce sont donc quatre invités, Rice Tiger, Tutti, Fashion et Lynn, complétés en cela par Sonia et Gliss pour ce soir donc une belle confrontation, on l'espère donc en perspective. Nos quatre invités sont de la télé-réalité La Dernière Voix. Ce sont, on peut le dire, alors il y a eu beaucoup d'appels au départ, on m'a dit une cinquantaine je crois. Ce sont donc les élus qui ont été finalement retenus. Un album est d'ailleurs attendu pour le mois de décembre prochain, on va en parler forcément en tout début d'émission. Voilà, la question ce soir, c'est qui poussera la dernière voix en fin d'émission? Pas le cri de joie, mais peut-être la dernière voix. On leur posera la question, on va les confronter aux différents jeux, et puis on verra qui va remporter cette autre confrontation, cette autre battle. Ils seront d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici, ça se sera en toute fin d'émission. Mais avant ça, il faut qu'ils se battent. Dans la télé d'ici, porte du week-end, l'essentiel du fun et du savoir. Bonsoir, bienvenue! À la télé d'ici, porte du week-end comme tous les vendredis. Voilà, certains attendent particulièrement ce rendez-vous-là, voilà, parce qu'ils aiment la télé d'ici, porte du week-end, mais le nom dit c'est qu'ils aiment quand les gens se battent, donc c'est peut-être des palabreux quelque part. Pas plus mal. Pardon ? Tu parles de toi, là ? Tu viens de tes décrits, là ? Non, j'aime bien quand les gens se battent. Okay. Quand ils se battent via le mind, c'est ça ? Ça va, Tutti ? Ça va super. Merci d'être là. Merci. D'accord. Tu connaissais un peu ta télé d'ici porte du week-end ou pas? Bien sûr, je suis tout le temps. Ah, mais c'est bien. Sonia, tu as un crack là dans ton équipe. Quand j'essaie de faire le brief vidéo, tu as choisi la mauvaise personne. Je suis, ne m'a pas dit que je suis fort intellectuellement. Il m'a dit que, wow, c'est les deux personnes même là qui savent juste danser dans les tiers choisis. Ceux qui sont forts, ils sont de l'autre côté. C'est ce qu'il m'a dit. En fait, Sonia, tous les vendredis, son côté bêté sur le wow de tout à l'heure. Là. Non, mais vraiment... en fait, je me suis dit que tu vois, il dit que wow. Oh. Les mains des gays, il a dit D'accord. Fashion? Oui. La plus fashion, j'imagine, du groupe. Bon, on va dire ça comme ça. Ça vient de quoi? Ça vient d'où, là, cette histoire de fashion? Essayez pas d'expliquer ça. C'est le scénario, on dit, il m'appelle fashion. Donc D'accord. Tout le monde m'appelle fashion. OK, très bien. On a aussi Rice Tiger. Yeah. Je prononce bien, non? Oui, oui, on peut dire Rice Tiger aussi si tu veux. Non, 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 moi, ce que tu préfères là, c'est ça que je prends. Bon, Rice Tiger. Rice Tiger, yeah, ça fait Rice Tiger, ça fait Rasta, ça fait tigre. Tu vois, non. Ah, même Rasta tigre. Rasta tigre. Le tigre fait, des Rasta, mais le Rasta des tigres. Ou ce serait un tigre avec des cheveux frisés donc, peut-être. T'imagines un peu un truc, donc, tu vois. Ou le Rasta des tigres, Rasta qui veut dire roi, chef. Wow. Donc le chef des tigres. Ah, mais ça, je savais pas. Si, si, si. Bah, okay. Tu vois, Rastafari, c'est le reste de Tafari. Bon, c'est une autre histoire. Wow. Bon, allez, lui, ça va? Je vais aller fouiller. D'accord, c'est pourquoi ce bout de papier. Attention, je surveille tout ici. Voilà, pas de pédia possible. Hein? Alors. Vous venez de découvrir pourquoi elle gagne chaque jour. Alors, je lis là ce qu'il y a tout de suite. Depuis ce matin, Abidjan est la capitale nationale de la poésie. Non, mais ah ça, non, c'est... ça c'est la chronique de Sonia de lundi dernier. De lundi. Ouais, de lundi. Bon, donc c'est pas un pédia. Allez, on te le restitue. Tu n'en sais rien, peut-être qu'elle a caché. Tu sais, c'est la reine des jeux de mots. Peut-être qu'elle a fait des jeux de mots. Ah, dans c'est possible. C'est possible. Toi-même, ta propre feuille. Ah, c'est que je suis faute d'elle. Bon, d'accord. Alors, on attend notre candidate. Elle est où, là? Où est Lynn? Ben, tu viens, Lynn? Allez. Donc, on va installer Lynn. Voilà, on va installer Lynn. Ça va, Lynn? Ça va, bien. Pourquoi Merci. Tu es en retard?
On aime quoi. Ça me rappelle l'émission avec Lynn Jabert. C'est bizarre, hein. Ouais. Ça s'appelle Lynn. Ah, les Lynn, c'est... Il y avait Lynn Jabert. Lynn égale retard. Tu as avec ça durant toute l'émission. Non, c'est pas vrai. Il y a un petit papier devant toi. Donne-moi. Ah, c'est quoi encore ce papier? Non, votre équipe, là, ouais. Qu'est-ce que vous avez, franchement? C'est la guerre, c'est le vent, c'est le vent. Bon, ça, c'est le vent qui a envoyé le papier là-bas. C'est la météo, le bis. C'est bizarre. Bon, allez. Vous nous racontez un peu l'aventure, dernière voix, c'est quoi? Qui prend la parole en premier? C'est quoi? Alex Fox. Ah, c'est un outil, ok, d'accord. C'est une maison de disques qui lance un concours pour recruter de nouvelles voix. Exactement. Au départ, vous êtes, je pense, une cinquantaine? Plus que ça. Voix, plus que ça. Oui. Donc vous retient tous les cinq? Oui, 1300 personnes. 1300 personnes, ouais. Ok. Pourquoi on vous retient? Parce qu'elle est fashion, toi tu as les dreadlocks, lui c'est le roi des tigres, et toi, non ou... Je pense qu'ils recherchaient d'abord des profils qui auraient pu rendre parfaitement les personnages qu'on devait jouer. Ah, ok. Ouais, déjà. Mm-hmm. Et aussi des musiciens. Mm-hmm. Parce qu'on est musicien à la base. Ok. Et pour certains... Tu joues de quel instrument? Moi, je suis chanteur. On est chanteur. Chanteur. Voilà, on est chanteur fashion. À la base. Non, moi je chante seulement. La retardataire. Lynn. Si, ma voix est mon seul instrument pour l'instant. Ok. La guitare. La guitare. Ouais. Choco. La guitare, les pinceaux. Genre, non, il juste sort. Bon. C'est le petit truc. Vous avez voir, je chanterai si il est venu à un t-shirt. Ouais, ok. Donc voilà, c'est comme ça qu'on vous retient. Donc, on ne nous a même pas retenu. On a passé d'abord deux castings. Mm-hmm. Un casting musical de chant. Ok. Et on a été sélectionnés, je crois, on était une cinquantaine. Mm-hmm. Et puis, dans les 50, ils ont retenu ceux qui correspondaient le plus aux personnages qu'on Alors, c'était quoi les personnages, justement, qu'ils recherchaient? Parce que ça fait deux fois que tu parles de personnages. Ouais. Je cherchais Ast Tiger, okay. Lynn, Fashion, Tutsi et Jess. Et c'est okay. Quoi les particularités en fait? Ast Tiger, il adore le reggae, c'est un gars assez cool. Pas. Bon, allez, vas-y. Oui, en fait, moi, pour moi, je pense que les personnages que les scénaristes se recherchaient, c'était mm-hmm. des artistes, des acteurs qui pouvaient être des chanteurs aussi, surtout. Okay. Voilà, c'est-à-dire, ce qui nous a réunis, c'est le fait de pouvoir chanter, mm-hmm. de savoir chanter. Mm-hmm. C'est ça qui était le truc important de le casting. Quoi, d'accord. Parce que quand vous dites qu'ils recherchaient des personnages, pour moi, en fait, dans la bible du scénario, ils savaient exactement qui ils voulaient, le profil, c'est le portrait robot était ça, en fait. C'est ce que je dis. En fait. Ça veut dire que les autres ne sont pas déméritants, en vérité. Exactement. Non, pas du tout. C'est ce que je veux dire. Moi, très bon chanteur, en fait. Ok, d'accord. Fashion. Moi, dans mon cas, c'est... Ça, c'est les Miss, il paraît, qui font ça. Oui, c'est Miss Apuchu. Miss Apuchu. Moi, dans mon cas, c'est plus... Je ressemblais, mais vraiment, à mon personnage. Et ton personnage avait les cheveux, les mèches. Voilà, mon personnage était un peu extravagante. Ok. Un peu palabreuse, voilà. Je suis un peu comme ça, mais bon. Ah, dans la vraie vie, tu es palabreuse oui. et extravagante. Je ressemble à mon personnage à 70%. Ok, palabreuse et extravagante. Oui. Tu sais que dans cette émission, tous les coups sont permis. Oui, allez-y. Voilà. Bon, je sais qu'il y a peut-être un problème de gabarit avec ton adversaire direct en face. Aïe. Mais bon, il ne faut jamais sous-estimer. Hein. Jamais sous-estimer. Est-ce qu'on peut regarder un extrait du collectif Dernière Voix? Justement, pour s'en faire une idée, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ignorent, on regarde ça. Rendez-vous sur l'autre bord. On ira au sommet, sommet, sommet. On ira au sommet. On ira au sommet, sommet, sommet. Il se passe quoi encore? Il se passe que la copine de Rastiger est venue dans une robe rouge qui ressemble exagérément à celle qui m'a été volée ici en résidence. Fashion, tu trouves pas que tu exagères maintenant? Ça peut être une coïncidence. Ah, moi, je suis d'accord avec Touti. Hein. C'est quand même pas un modèle unique que tu as acheté. Hein? Ça, on trouve ça partout à Coco Vico. Fais voir la photo encore. Aïe, Fashion. Vous avez même pas la même forme. Et la faute, c'est sa faute, c'est ta faute, c'est ma faute. Et je n'ose pas lui dire, chacun a ses défauts. On m'a dit que la chance ne souriait qu'aux autres. Moi je leur ai dit que notre chance elle dépendait de Dieu. Vie tout tracé pour moi, et mon cœur voulait une autre voie. Allez merde, je me lance dans le délire.
somme. Connaître tous coupables de vous sur l'autre bord, mon frère. Je veux revoir Wilson, tu sais. Refrain. On ira au sommet. Rendez-vous de l'autre côté. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous de l'autre côté. Rendez-vous. Tutti, Fashion, Lynn, Rastiger, Rice Tiger, ça dépend de là où on se situe, ou Tom Frager, Rastiger, on pourra aussi le dire. Voilà, qui ce soir répond à l'invitation de la Télédici aux côtés de Sonia et de Gliss. Télédici Porte du Week-end qui vont s'affronter, on vous a rappelé le principe. Évidemment, Fashion RE part avec un avantage certain, puisqu'elle n'est pas labreuse à la base, donc évidemment. Comme le principe même de ce truc, c'est de faire pas là. Donc voilà. Voilà. Sonia qui est avantagée ce soir, on peut le dire. Vous avez des noms de groupe tout de même pour démarrer? Oh, c'est vrai qu'on est. Ah, vous n'y avez pas pensé? Non, on te laisse le choix. La dernière fois, c'était quand même. Je rappelle au public dans le dos qu'en face, c'est votre équipe. Hein. En face, c'est votre équipe. Mais vous ne soufflez pas les réponses. Il faut attendre qu'on donne le go pour le joker. On est bon? Celui qui souffle, il fait 5 minutes dehors. Et il fait perdre 5 points à son équipe. C'est bon, c'est bon. Allez, messieurs et dames. Les Lions. On a qui à gauche, à droite? Les Lions. Les Lions, donc les Lions. Yeah. Okay. Est-ce qu'ils montent sur la tête de rire? Il n'y a pas de... Donc, à droite et à gauche, les téléspectateurs, les Lions ce soir, opposés au... Rastyle. 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 Rastyle, oui, c'est ça. OK. Lions. Rastyle. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, ça c'est mon conseil vraiment. Au départ, il faut batailler pour obtenir les points, parce que vers la fin, au lieu d'en gagner, on en perd. Okay. Le principe, vous le connaissez, comme l'a rappelé d'ailleurs Tutti. Pour vous donner la possibilité de prendre points cadeau, hein, il y a ce qu'on appelle fast and furious. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous ne gagnez rien. Bonne réponse, vous gagnez 3 points tout de suite. Là, Tutti, là, c'est la chose du QI, là. Non, on n'est pas encore sur du QI. Yeah, on a perdu. Ça arrive. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est très simple. Allez, on reste concentré. Okay. Je pose la question, attention, c'est individuel. On va démarrer par Tutti. Je pose la question. Tu as 3 secondes pour me donner la suite ou la bonne réponse. OK. On va faire mathématiques pour toi. Et on y va, t'es concentré? Allons-y. Quelle est la moitié du triple de 4? 6. Bon point. Applaudissements! Je vais me tourner vers Lynn. Lynn, la retardataire. Ça va être ça, Ika. Lynn qui est arrivée en retard. Lynn qui est arrivée après l'heure. Voici ta question. Bondoukou est dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Au sud-ouest. Mauvais point. Vous ne marquez rien. Fallait dire l'est. Ah, OK. Non, est, quoi. Faut te calmer, hein. Allez, vous ne marquez pas de points. Je vais me tourner vers Fashion. Seigneur. Fashion. Elle a mal au cœur. Une question rapide. Attention. Je suis un artiste ivoirien. J'ai plus de 30 ans de carrière musicale. Je suis une véritable star. L'un des titres qui m'ont propulsé, en quelque sorte, fait la promotion de la commune de Cocody. De quel artiste s'agit-il? Cocody. Et... Vous ne marquez pas de points. Voilà, dit Alpha Blondie. Alpha Blondie. Cocody Rock. Cocody Rock. Cocody Rock. Ah, OK, dernière question dans ce Fast and Furious. Ça, c'est pour lui, ça. Dans ce Fast and Furious. Dernière question, coupée, décalée. La complète a commencé déjà. Tu vas me terminer ça, on va parler hymne national de Côte d'Ivoire, la Bidianaise. Pays de l'hospitalité. T'es les gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Bon point, plus point. Donc vous partez à égalité parfaite, plus 3. On va tester les buzzers. Sonia en premier. Sonio. Parfait. Tutti. Fashion. Lynn. Rastiger. Gliss. Parfait. On va démarrer par qui suis-je? Je vous explique juste après ça. Trois partout. Est-ce que vous adorez les fruits? Ouais. On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Très bien. Ce qui va se passer, je vais afficher chaque fois un fruit. Il faudra me donner le nom du fruit. Il faut regarder l'écran dans mon dos. Il faut être alerte. Quand on a la main, on a 3 secondes pour donner la bonne réponse. Enfin, pour donner la réponse. Allez, de quel fruit s'agit-il? Qui suis-je? Fraise. Fraise, oui, c'est ça. Non, le fruit du dragon.
Oui. C'est quoi son nom? Anakaz. Non, c'est le fruit du dragon. Elle a eu en Chine là-bas, le fruit du dragon. Je veux le nom, s'il vous plaît, de ce fruit. Ah si, oh attends. Attention, un public en souffle pas pour l'instant. Vous n'avez pas? Non. Vous n'avez pas? Je vous aide, ça démarre par lettre L. Non, c'est pas ça. Je vous dirais L-I pour vous aider. Le litchi. Bon point. Oui! Qui suis-je sur cette autre image? Qui suis-je? C'est quoi le nom? 3 secondes. Mangoustan. Non. Mangoustan. Cerise. Cerise noire. Battez-vous. Prune. Vous avez la possibilité de courir au joker, attends, faut que vous accordiez d'abord. Non. Je dis c'est pas ça. Pas les autres. Job étudiant, il a vendu fruits jusqu'en France. Ouais, bien, vous ne l'avez pas? Non. Joker ou pas? Joker. Non. Joker ou pas? Non, vous avez droit au temps de joker que vous voulez, y a pas de souci. Ok. Joker ou pas? On veut pas. Ah bon? Non. Ok. Vous ne l'avez pas? Je vous aide ou pas? Vas-y, aide-nous. C'est A. C'est A. Ouais. Ah non. Ne me dites pas C'est A, c'est 1000, s'il vous plaît. Non, mais non. Bon, allez, fallait dire le. Cassis. Personne ne marque de points. Troisième fruit. Qui suis-je sur cette image? Mirabelle. Ah, c'est quoi son vrai nom? Wow! Mais c'est Mirabelle au pays, non? Son nom en français, quoi? Mais elle a fruit que nous on mangeait quand on était petit. C'est ça, on mangeait. Mais on appelle ça Mirabelle. Quoi, cocoman, hein? Oui, on dit un fruit comme ça. Non, ça, c'est pas cocoman. On dit cocotin. Vous ne l'avez pas? Non, c'est un peu compliqué pour vous. Fallait dire le physalis. C'est Mirabelle! Tu connaissais? Physalis, c'est Mirabelle. Tu connaissais? Pas gentil. Allez, de quel fruit s'agit-il? Qui suis-je? Quand on finit fruit, la poire. Comment? La poire. Je dis non. Ah, c'est pas quoi? Ça, c'est le plus difficile. Après, on va aller sur des choses plus faciles. Le plus difficile, c'est qu'il n'y ait pas trouvé prune. Une pêche? Non. J'ai envie de buzzer pour dire mangue. Tu peux, hein? Tu as le droit. Vous ne l'avez pas? Il fallait dire le coin. C-O-I-N-G. OK? Ça, c'est pas visible. Alors, vous avez dit oui, le coin. Non, oui, quand Kokota. Non, ça, c'est pas Kokota. J'ai jamais vu le coin. Et puis, Kokota, on dit Zaba. Zaba. Ah! Zaba. Nous, on mangeait plus de légumes. Zaba, que de Zaba, fruits. Zaba. Tu envoies les aubergines en combo, là, te donner. Qui suis-je sur cette image? Aïe! Pêche, non? Je dis oui. Ah oui! Le kiwi est vert. Tout le monde dit que c'est kiwi. Je rappelle le score, 5-3. Qu'est-ce qui arrive? Qui suis-je? Bon. Prune. Merde. Abricot. Non. Ça ressemble à abricot, hein? Non, c'est... Framboise. Agrume. Framboise. J'ai dit non, fallait dire la figue. La figue. Ah, tu connais beaucoup de choses, mais c'est après que tu connais. Qui suis-je sur ce qui arrive? De quel fruit s'agit-il? Papaye. Hey. J'ai dit bon point. Attends, voilà, maintenant on commence à se comprendre. Fashion qui avait prié tous les dieux, qui avait souhaité qu'on lui envoie des fruits qu'elle mange ici. Là, elle a séché là-dessus. De quel fruit s'agit-il sur cette autre image? Tiens, c'est quoi ça encore? Mais il y a besoin pour dire tomate. Abricot? Je dis non. Pensez à l'école primaire, aux garçons. C'est pas les mêmes garçons. Pensez à l'école primaire, aux garçons. Et même au secondaire, pensez aux garçons. Bouton. Mmh. Artichaut? Non, pensez aux garçons. Acné. Oui, ils ont beaucoup de problèmes. Ah, ils ont beaucoup de problèmes. C'est mauvais. Mettez l'implant sur elle, là. C'est quoi cette histoire? Ils ont beaucoup de boutons. Pruneau, alors? Non, je dis pensez aux garçons. Mais on n'a pas les mêmes garçons. Qu'est-ce qui distingue les femmes ou les garçons des filles? Il n'y a pas les sécurités. C'est compliqué. Hein. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Ah, d'accord. Plus alors. Bon, fallait dire le kaki. Yeah.
Qui suis-je? Alors ça, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas. Qui suis-je? Tu n'as aimé pas ma main sur buzzer. Ah, je sais. Corosol. Arachide de blanc. Corosol. Corosol. C'est vrai qu'on appelle ça arachide de blanc, mais c'est pas le nom. On dit arachide de blanc. Ça commence par D-U. 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 Quand c'est pas mou, c'est... Dur. Donc... Dur. Le dur. Le dur. Non. Mais il y a bien dit. Non, non, le durian, fallait durian. Dire. Ah, moi, il fallait rire. Durian, personne ne marque de point. Non. Qui suis-je sur cette image? C'est quoi ces fruits, là, même? Oh, putain. Ça ressemble à la mangue. Ah, ah, c'est pour ça, Denis. Ah, c'est prune. Vas-y, quelqu'un l'avait déjà dit autour de cette table. Ah, c'est moi qui... Non, non. Abricot? Non, je sais, c'est quoi? Pêche. Non, c'est... Ah, en plus, je l'avais dit. Abricot? Non. Cerise. Ah, pruneau. C'est pas... Amande. Non. Joker ou pas? Pêche. Non. Ah, c'est pas Joker ou pas? Joker. Joker ou pas? Non. Ok. Ok. Mirabelle. Ah, c'est ça qui est Mirabelle. C'est moi qui ai dit Mirabelle, là. Mais c'est la même chose. Avant, dernière image. Qui suis-je? Ça pas des mandarines aux gens. Il faut parler. Tiens, c'est piment. C'est piment. Ouais. Ah, ouais. Non, non. Non, on sait c'est quoi. Quand c'est jaune, quand c'est bien jaune, c'est bon. Quand c'est vert, c'est amer. Parfois, oui. Quand c'est jaune aussi, c'est amer. Oui. Vous l'avez tous, petits, je pense. Si, si. Dire ah, la... c'est pas quoi, comment? Non. Joker ou pas? Joker. 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 Non, go pour le joker. Non, fallait dire, non. Fallait dire la carambole. On connaît pas. On va terminer avec le fruit, je vais vous aider. On va terminer avec le fruit le plus cher au monde. Et là, je vous apprends une chose d'ailleurs. Bah ouais. Si, si, le fruit le plus cher au monde. On l'a ici. C'est un fruit naturellement saisonnier. Qui suis-je? Mangoustan. Bon point. Ouais, 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 mangoustan, mangoustan. Je connais. Ce qui met un terme donc à ce... Qui suis-je? Je vais rappeler le score. 6 pour l'instant pour les Rastyle. Et pour les Lions, donc 6, 4. Bon, allez, on va passer à de la musique, tiens. Je sais que c'est ce que vous adorez, le Blind Live, juste après ça. À vos buzzers, prêts, écoutez. Je t'aime, Lara Fabian. Bon point. Déclare sa flamme, il vous aime. Ah. Merci. Non, avec, aussi. Avec, avec un coup, avec un coup de poignard. 5-6. Elle dit oui, merci. Écoutons ce qui arrive. Blind Live, deuxième track. Céline Dion. J'ai compris les mots, Céline Dion. Non, c'est... Non, c'est pas ça le titre. Non, tu as perdu la main. Pourquoi tu m'aimes encore? Voilà. Merci. Céline Dion, pour qui tu m'aimes encore? Vous êtes désormais à 7. Long comme ça. Ils sont à 5. Merci, le juge second. Hein? Qui chante ce qui arrive et que chante-t-il ou elle? Lil Jay sans graine. Bon point. Sauce graine ou bien. Si. Wow. Yes. Wow. Écoutons.
Yilim, si tu veux partir. Oh merde! Moi, je sais pas. C'est Zouglou, non? Comment ça? C'est bénédiction. Bénédiction derrière garçon. Voilà, c'est ça. Hein, tout quoi. C'est quasi ça, derrière garçon à garçon, je crois. Ah bon? Ah bon? Joker ou pas? Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà, ouais, c'est ça. C'est voilà. Ça, mais dis le nom, bénédiction. C'est bénédiction quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà, et complété par Rassiger. Derrière un garçon, il y a un garçon. On dit derrière un grand homme, c'est quasi tout là-dedans. Derrière un garçon, il y a un garçon. Moi, j'entends ça. Bon, allez. 7-7, égalité parfaite. Pression. On va écouter. Écoutons ce qui arrive. Vous l'avez, je pense. Qui chantait? Que chante-t-il, elle? Espoir, 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 espoir. José, espoir. Bon point. Oui. José, espoir. Oui, ils ont la possibilité de se consulter. Il voilà. Faut que ça dure 3 secondes, voilà. C'est tout. Voilà. Voilà. Qui chante ce qui arrive? On est dans la même équipe. Pardon, il n'est pas qui chante ce qui arrive? Et que chante-t-il ou elle? C'est Daphné. Daphné Calais. Bon point. C'est ça. Ouais voilà, Calais comme Calais Grégoire. Ouais. 8. 8. Ouais. C'est vrai, hein. Ça s'annonce très bien pour la suite. Dernier track pour vous départager dans ce Blind Live. Qui chante ce qui arrive? On va entrer. Mais dites-moi merci, vous êtes. Il a dit merci 5 fois. Chanson, merci Philippe. On va rester sur de la musique. D'accord. Ça s'appelle la chanson inversée. C'est la même chose, c'est juste qu'on a inversé les chansons. Oh. OK. Possibilité de rattraper vos gens d'en face, voire d'accord. De les surclasser. Possibilité pour vous de creuser l'écart. Tout est valable dans tous les d'accord. Cas. Tout dépend de là où on se situe. La chanson inversée, juste après ça. Neuf, huit, même principe. Il faut rester concentré. C'est pas compliqué, cette affaire. Écoutons ce premier track de la chanson inversée. Ça date de Zouglou. Aucune idée, rien qui me vient là. Joker ou pas? Son inversé là, c'était vite. Joker. Joker pour vous oui, aussi? Joker. Ouais. Go pour le Joker. Ouais. Go pour le Joker. Aïe, on demande aussi derrière. Oui, c'est le Joker. C'est ça, Joker. Oui, on sait. C'est quoi le titre? Il dit suspect. Oui, c'est quoi le titre? Le titre. Oui, je vois la chanson. Ah, je suis fondée dans son featuring avec José là. Elona, doucement. Attends. José suspect. Fin ou amoureux. Oh, c'est pas ça. C'est ça, José suspect, fin ou amoureux, non? C'est que c'est pas ça. Elon featuring José, je suis pas fin, je suis amoureux. José, je vais t'attraper. Ah, c'est Elon. José suspect, on va t'attraper. Elon, on va t'attraper. Bon point. Ah! Merci. D'où l'intérêt d'écouter le Joker. Ah oui, ah oui. Vous l'ont soufflé là. Ah oui. Si, ils l'ont dit, mais j'ai pas entendu. Moi, j'ai pas entendu. Par contre, ton buzzer, je l'entends pas parce qu'il est tellement posé sur la cuisse et trop enfermé que j'entends. Allez, vas-y, vas-y. Pas entendu, en fait. Là, j'entends mieux là. Okay. Yeah. Allez, on va écouter ce qui arrive. Égalité parfaite 9-9. Qui chante ce qui arrive?
Et que chante-t-il ou elle? Moulin, Karina Steele. Bon point. Woulon. Woulon. Elle a prononcé comme il fallait. Woulon. Karina Style. En vrai. Qui chante ce qui arrive, messieurs et dames? Silence plateau, s'il vous plaît. Bon point. On ne souffle pas dans le public. 10, 10, égalité parfaite. Le Willy John John. On lui a demandé, ça veut dire, il faut te lever pour danser. Oui. Hein? C'est ça, hein? Fashion. Willy John John. Willy John John. Ah, ça doit être Ondula. Willy John John. John John, depuis que pas... John John veut dire danser Ondula. Celui ou celle qui arrive... Je le dis pour lui. On l'a tous. Et peut-être Jula ou pas. Je ne sais pas. Ah. Écoutons. C'est qui a besoin de Jula? On le souffle à la boule, attention. Non, si vous soufflez, j'annule, ok? Attention. Putain, mais c'est ça le titre? 3 secondes quand on a la main. Chéri Coco. Je dis non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le titre. Joker ou pas? Donc Aya Nakamura câlin? Je dis non. Joker ou pas? Aya Nakamura mannequin. On ne souffle pas dans le public. Aya Nakamura, fais-moi câlin. Je dis non. Pas de câlin, c'est bon. Trop de câlin autour de cette table. Ça va comme ça. Hein? Un tigre câlin, ça va pas du tout là. Un tigre câlin. Lion câlin, ça va pas là. Joker ou pas? Fais-moi ou. Chérie. Je dis non. Joker ou pas? Aya Nakamura Bobo. Bon point. Ouais! Si vous pouviez trouver la réponse avant qu'on ne donne aussi ce rôle, bien, bien. Tu nous bats le vieux, on t'a fait quoi? La Rasta Tiger, lui donne les réponses quand c'est fini, fini. Écoutons l'avant-dernier track et track okay. De cette chanson inversée, c'est... Taïki Dodo. Je dis bon moi. Dodo, ça dit quoi? Dodo, c'est ça? Pas de dodo. Bon, après Bobo, c'est dodo. Voilà, après Bobo, c'est dodo. Est-ce qu'il arrive? C'est Momo. Je vous donne, je vous donne juste un indice, ça sera certainement Coco. Ah, ok. Ah ben s'il y a eu Dodo et Bobo, faut bien qu'on trouve quelque chose. Écoutons ça, c'est le dernier track. 12, 10. Vas-y. C'est pas... C'est Rema. Rema quoi? Rema, calm down. On va citer tous les titres de Rema, on est parti. Le jeu devient chic. Oxlade de Colossal, non? À chaque mois, chaque jour, ils vont mettre... Franchement. Oui, mais ils remettent les chansons, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai. Et puis ça fait rien d'essayer, en fait. Joker ou pas? Pato Ranking, Colo Colo. Je dis non. Parce qu'on a dit Dodo, Coco, il y a Colo Colo aussi. Pato Ranking, ça peut changer. Oui, mais Colo Colo. On a une pensée pour Colo Colo Germain. Joker. On ne veut pas Joker. Non, non, non. Il faut d'abord le go pour tout. Vous ne veux pas Joker? Joker. Joker? Go pour le Joker. Go pour le Joker, rapidement. Tu veux dire quelque chose? Rema, ça ressemble à Rema. Oui, mais c'est quoi le titre? Yeah. Vous ne l'avez pas? Fallait dire Aira Star et le titre c'est Rush. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est Rush ça? On écoute ça. Allez, Gliss n'a rien reconnu, c'est pas grave. On va avancer dans le débat. Je rappelle le score, 12 pour les Rastaïs et 10 pour les Lions. On marque une pause. On va à la pub, on va attraper ça après. On va retrouver juste après le test de culture générale. Salut, salut, salut. A tout de suite.
sur le plateau de la télé d'ici, à retrouver Port du Week-end, bien sûr, à retrouver dans quelques instants le one-to-one, le test de culture générale avant cela. On va tester votre connaissance de la Côte d'Ivoire. Connais-tu mon beau pays? Connaissez-vous la Côte d'Ivoire? Oui. Non, elle, Abidjan, et c'est bon. Ah, assume, moi, c'est bon. Bien. Ce qui arrive, vous n'avez pas besoin de savoir ou d'être sorti forcément d'Abidjan. OK. Après ça. On arrive à 12 d'abord. Il faut juste me dire dans quelle langue est chanté chaque extrait qu'on va diffuser. Rien de compliqué, à mon avis. Ah bon? Oui, pas okay, besoin d'aller... hein? Okay. C'est bon? On écoute ce qui arrive, vous me dites la langue. Si vous le sentez, tac, vous actionnez le buzzer. 3 secondes, on y va. T'as bété? Bété. C'est ça? Bété. Après l'extrait, bété. Bon point. Je vais couper les buzzers. On va écouter l'extrait juste derrière. Voilà. Mais vous pouvez appuyer, attention. Dans quelle langue de Côte d'Ivoire est chanté l'extrait qui arrive maintenant? On écoute, on regarde. C'est pas l'un des Continue de buzzer. Mais il est où? Déverrouille là, wesh. Dans quelle langue? Bourreau. Bon point. Suzanne Nazou, qui chante enfin, dans quelle langue de Côte d'Ivoire est chantée ce qui arrive maintenant? Baoulé. Baoulé, baoulé. Bon point. Il n'a pas appuyé. On écoute ce qui arrive et dites-moi juste par derrière dans quelle langue c'est chanté. Attention, 15. On n'a pas besoin d'écouter les ennemis. 15, 11. À quoi on entend la rythmique? On écoute cet extrait. On ne souffle pas dans le public. C'est quoi? Annie, non, voir. Bon point. Hey wow, tu as trouvé deux. Voilà, elle a trouvé deux, fashion. Sur 19. Écoutons ça. La danse, grâce à la danse. Pas cool, là, vous. Donne-moi. C'est nouveau. Ouais. Oh. On écoute la vendée. Mais nous, ça marche pas. La vendée, c'est ce qu'on est du bon Alex, pays. On ne souffre pas dans le public. On écoute ça. Anjoukrou. Guéret? Non? Je sais pas, moi. Yakuba. On est brouillé. Bon point. Hey 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 hey. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a plus de bruit. On pas, besoin marche. Ça marche pas. Vas-y. C'est maintenant que ça marche. Depuis, il y a plus, ça. Allez. On écoute. C'est le dernier track. Je rappelle le score. Hein. 17-12. Qui est? Je joue plus. On écoute ça, allez-y. Dans quelle langue? C'est quoi ça? Attends, à cause du look. Adjoukou, je dis bon point. Ce qui met un terme à ce test enfin, de culture nationale. Hein? Vous êtes à 17. Vous êtes à 13. On va passer à présent au test de culture générale, juste après ça. Alors, Fashion, si ça peut te soulager, il y a 3 propositions chaque fois. Donc, tu peux aussi faire de la loterie si tu veux. OK? Sauf que dans ta loterie, il faut qu'il y ait la bonne réponse.
Quand tu as la main, c'est 3 secondes, même principe. Je coupe le buzzer. Je pose la question, je fais les 3 propositions, mais je vous exhorte évidemment à appuyer continuellement le buzzer. Mm-hmm. Première question. Quelle récompense suprême est décernée au Festival de Cannes? A, une étoile d'or. B, la Palme d'or. C, un lion doré. La Palme d'or. Je dis bon point. Écoutez, attention, très bien. Parmi les 3 formulations qui arrivent, il y en a une qui est juste et 2 qui sont fausses. Quelle formulation? Du moins, il y en a une qui est fausse et 2 qui sont justes. Laquelle de ces formations est fausse? A, j'ai répondu à ce quiz sans aucune faute. B, j'ai fait un sans faute à ce quiz. C, je vais répondre sans faute à ce quiz. J'ai fait un sans faute à ce quiz. A, B ou C? B. Je dis non. C. Je dis oui. Donc la mauvaise formulation, c'est « je vais répondre sans faute à ce quiz ». Il faut plutôt dire « j'ai répondu à ce quiz sans aucune faute ». J'ai fait un sans faute à ce quiz. Ah, laquelle formulation n'est pas la bonne? Exactement. Oui. Moi-même, j'avais pas c'est pour ça que je vous exhorte depuis le début de cette émission à m'écouter. C'est et à rester concentré. Pardon, les gars, n'écoutez pas. Voilà. Vous ne suiviez pas en classe. C'est ça, c'est pardon, ça. Monsieur. Ça se voit. Le vieux père, allons-y. À quelle famille appartient le lion de la mer? A, les otaries, les foxes, les manchots. Les 3 secondes. Je dis non. Les otaries. Non. C'est votre affaire là. C'est quoi les otaries. Otaries, on dit otaries. 17-14. Position stationnaire. C'est quoi le nom du cri à Grenouille? Le croissement B, le croissement C, le cargénétement. Le croissement A. Le croissement A. Voilà. En quelle année est née Elisabeth II, la reine d'Angleterre? A, 1916, B, 1921, C, 1926. 1926. Je dis bon point. Quelle est d'après vous la capitale de la Norvège? A, Kaboul, B, Sofia, C, Oslo. 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 Bon point. Quel était d'après vous le surnom donné à Michael Jackson? B, King of Music, C, King of Pop, C, King of Rock. King of Pop. Bon point. Dernière question pour vous départager, si vous voulez bien. Non, on s'en va. Une dernière? Oui, oui, une dernière. On veut bien? On veut 3 même. Hein, c'est 19, 16, attention. Yeah. Quel est le nom de l'action du soleil qui attire l'eau dans les nuages? A, la photosynthèse. B, l'évaporation, c'est le ruissellement. La photosynthèse. Je dis non. L'évaporation. Je dis oui. L'eau dans les nuages. L'eau dans les nuages. Terme à ce test culture générale. Vous êtes désormais à 19. Les Restyles et les Lions sont désormais à 17. 19-17. Il y a de l'espoir. Arrête-moi si tu peux. Oh, il y a ma maison. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, je vous invite à ne prêter aucune attention aux propos de Fashion. Elle doit être certainement à sa 11e fois. De dire qu'elle s'en va à la maison. La 11e décision de départ. Mais elle est assise, calée jusqu'à la gare. Moi, visiblement. Ça fait la 2e fois. Voilà, c'est le principe. Non. Non. Je ne le connais pas. Je vais bavarder avec vous pendant 2 minutes. Vous choisirez quelqu'un. Il ne faut pas redire un mot, quelque chose que vous aurez déjà dit dans la même conversation. Vous comprenez ou pas? On est en train de parler, tu dis blanc. Okay. Il ne faut plus redire blanc. D'accord. Sinon, tu es éliminé. Okay. Si tu atteins 2 minutes, ça fait +2 pour l'équipe. Ok, nice. Si tu tombes avant, ça fait -1. Et ça tient pour les chiffres. Mm-hmm. C'est bon? Yes. Qui veut démarrer? Ils n'ont qu'à commencer, c'est plus faux. Avant de prendre la parole, vous actionnez le buzzer, vous dites « arrête-moi si tu peux ». Vas-y, Lynn. Comment ça? Vas-y, try. Arrête-moi si tu peux. Parfait. Chrono pour Lynn. Lynn, ça va? Je vais très bien, et tu toi? Peux, je vais très bien. Et toi, ta journée s'est bien passée, j'imagine? Tranquille. Tranquille? Ouais. Cool. Sympa. C'est ça. Hein? C'est ça. Merci. Vous tombez à 18. Je vais me tourner vers les Lions. Arrête-moi si tu peux. Ben, je t'arrêterai volontiers, cher ami. Ça va? Je vais bien. Comme elle, tout va bien. En effet. Parfait. Rappelle-moi ton nom à l'état civil, parce que j'imagine que Touti, c'est du fake. Liadegui Alex. C'est BT, ça? Ouais, c'est Gagou. Exactement. Non, je te demande, c'est BT ou c'est Gagou? Tu dis exactement, je ne comprends pas trop la formulation. C'est BT. C'est? Ah bon. D'accord.
Ah, tu bêtais à Bron. Peut-être. Peut-être. Mmh. D'accord. Rappelle, raconte-moi ta journée. Tu as fait quoi? J'ai beaucoup dormi. Ouais. Ensuite? J'ai mangé. Ouais. Tu as fait j'ai. On met à côté. Ensuite? Ensuite? Quand tu perds du temps, je rajoute 30 On secondes. A dormi. J'ai pas saisi. Ça fait deux fois dormi. Il a beaucoup dormi. Oh, il a dit danser. Il a dit danser. Et je comprends pas pourquoi il dit il a dormi et se tourne vers Fashion. On a dormi. Il a dormi. Mais je comprends. Il a une révélation de l'air. Il nous dira pourquoi. Allez, on va regarder. On a dormi. Un autre tour. Je vais me tourner vers Mister. Arrête-moi si tu peux. Mais on y va alors. Top chrono. Deux minutes. Rastiger, Rastiger ou Rastig ou Rastiger. Rusty. Ra. Rock or Rusty. C'est ça? Rusty. C'est bien ça. Rusty ou Rusty? Rastiger. Ok. C'est sympa. On peut aussi dire Rastiger, on est d'accord. Ça passe. Il t'appelle comment tes potes? Dans la vraie vie. Ken. Tes amis t'appellent Ken. Mais à l'état civil, ça donne quoi? Koblan Emmanuel Nda. Nda, Emmanuel Koblan Nda. Parce que généralement, vous prenez le nom de vos papas pour mettre derrière. C'est vous qui voyez. D'accord. Et qu'est-ce que je vois d'après toi? Rastai. Non, c'est pas la même chose. Comment? J'ai dit Rastai. Merci, ça fait de moi. 17. Personne ne gagne. Allez, fashion. Ok, nice. Pourquoi t'es pas chez moi? Fashion. Arrête-moi si tu peux. Fashion, la palabreuse. Fashion, ça va? Oui, ça va. Tu racontais en début d'émission pourquoi on t'a attribué ce personnage, pourquoi? Parce que je suis pas la Bruce. Je n'ai pas saisi, excuse-moi, pardon. On ne souffre pas, cher. Le rôle me ressemblait. Ça, pardon, excuse-moi? C'était pour moi. C'était pour toi? D'accord, très bien. C'est quoi l'état civil aussi? Je suis obligé de poser la question. Hein. Et état civil. J'espère qu'il faut parler un peu fort pour qu'ils entendent. Pardon? Eux aussi doivent entendre hein, ce que tu dis. Ouais. Vous m'appelez Fashion. Pardon? Vous m'appelez Euphrasie. Vous m'appelez chérie, personne ne gagne à ça, c'est clair. Personne ne gagne à ça. Allons-y à la pub pour digérer cette bérésina. Ah, c'est compliqué, cette affaire. C'est bérésina. 17-15. Pub. Support du week-end, toujours avec Sonia, Tutti, Fashion, Lean, Rast, TJ, Rast Tiger, Rast et Gliss. Voilà, opposition ce soir aux Lions, Rast Tiger. Yeah. Je rappelle le score, 17 pour les Rast Tile, 15 pour les Lions. Merci aux dames, je suis maintenant honoré, j'ai le privilège, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et qui m'ont été concédés, de vous informer que nous passons maintenant à ce qu'on appelle ici le one-to-one. Vos destins vous appartiennent désormais. Tu annonces ça comme ça. Tu sais, on devrait rajouter des tambours. Vos destins vous appartiennent. Qu'est-ce que c'est? Extinction totale des lumières. Mais avant ça, on va lancer d'abord le one-to-one. Je vous expliquerai pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Extinction totale des lumières. Ah, lumière même, mais pas s'éteindre du... La lumière compte toi, Jacques. Le tout, tout, tout. Hein. Le tout, tout, tout. La lumière dit que tu abuses, Jacques. Extinction. La lumière reste allumée. Total, les lumières. Bisous, Bakari. Extinction totale des lumières. Bon. Allumage et lumière, sur Sonia. Chacun son tour. Même principe, il faudra actionner le buzzer avant de répondre à la question. Orthographe, dictée. Ceux qui sont là à l'école, on le saura. Ceux qui sont allés à l'école aussi, on le saura. C'est que j'ai ceux qui sont allés à l'école, on le saura. Et pour la 12e fois, Fashion veut partir. Tout à fait. Non, 12e fois. Sonia, une phrase toute simple. Arrête. Comme toutes les semaines. Évidemment. Bon, comme depuis quelque temps. Ouais.
Les résidus du mou de raisin sont mous et visqueux. Comment écris-tu les deux mous? La phrase s'affiche à l'écran. Buzzer avant, 30 secondes. Si tu actionnes le buzzer maintenant, tu as 30 secondes. Si tu tardes, ça, on le décompte, il démarre à 20 secondes. Les résidus du mou de raisin sont mous et visqueux. Premier mou, deuxième mou. Silence public. Donc le premier mou, M-O-U. Le second M-O-U. C'est S ou A, c'est I. 15 secondes. Je pense que c'est S. Ce sera ton dernier mot? Le premier, c'est... Ou bien c'est X. 10 secondes. Silence public. Okay. Donc le premier, c'est M-O-U. Maintenant, le deuxième, M-O-U. X ou S? 5 secondes. Écoute, je vais dire yeah. X. Ce sera ton dernier mot. S. Tu n'as pas trop le choix. Il reste 2 secondes. Vous tombez à... J'ai oublié, vous perdez les points. 2 points. OK. Vous tombez à 13. Mou, M-O-U, accent circonflexe. Mais j'ai dit S à la fin. J'ai dit S. Le dernier, c'était S. Ouf. M-O-U, accent circonflexe. Ah, le premier. Ah. M-O-U-S. Ah, ah, c'était mou, comme ça. Extinction totale des lumières sur Sonia. Bon. Allumage des lumières sur Tutti. Ah, on a encore fini tous nos points. Tutti, j'ai cette phrase pour toi. Plutôt accessible, je pense. Avec la mode, on ne sera pas surpris de voir les cotes de mécaniciens avoir de la cote. 30 secondes. C'est côte et côte, c'est ça? C'est ça. Avoir de la côte. 25 secondes. OK, on ne serait pas surpris de voir les côtes. Les côtes, le premier, c'est C-O, accent circonflexe, T-E-S. Et le deuxième, c'est C-O-T-E. Ce sera ton dernier mot? Oui. Vous tombez à 11. Alors, je vous donne une astuce. Wow. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Quand il y a l'accent circonflexe, ça ne se prononce pas « o », ça se prononce « o ». C'est pour ça qu'on dit « à l'hôpital » et non « à l'hôpital okay. ». On va à la locodrome et non à la locodrome. On dit la Côte d'Ivoire et non la Côte d'Ivoire. Extinction de lumière sur mon cher Tutti, qui ce soir est tout sauf côté. Et je vais me tourner vers Fashion, qui j'espère est encore en plateau. Ma maison. Fashion. Je suis mari de constater qu'il a fini par être son mari. Comment écris-tu les deux maris? 30 secondes, 2 heures avant. Je suis mari de constater mari, ça veut dire quoi? Qu'il a fini par être son mari. Fais attention, majestuel. Je suis mari de constater qu'il a fini par être son mari. Ça change quoi? On t'a donné beaucoup de choses. 2 heures avant. Je sais pas si j'ai écrit quelque chose. 25 secondes. Premier mari, là. Mon. A. Ro. I. Simplement. Deuxième, là. Mon. A. Ro. Comment on écrit mari? I. 15 secondes. Ce sera ton dernier mot? Non, attends. C'est à la fin là qu'il y a mon A, Ro, I, et puis l'autre côté, il y a S à la fin. Ce sera ton dernier mot. Vous tombez à 9. Je suis Marie, M-A-2-R-I, et Marie comme l'époux. Mais bon, ça veut dire quoi, Marie? Je suis étonné, je suis Marie, je suis... On n'a pas vu ça au primaire, là-bas. C'est pour cela que pour t'aider, j'ai dit fais attention à la mimique. Voilà, je suis Marie. En fait. Voilà, même si tu me donnes le dictionnaire, elle n'est pas trop. D'accord. Merci pour cette honnêteté. Extinction sur le manque de le trop plein d'honnêteté. Je vais me tourner à présent vers Lynn. Lynn qui est arrivée ce soir en retard. Lynn, la retardataire, qui on l'espère sera à l'heure pour donner la bonne réponse ce soir. Plutôt accessible, à l'instar de la phrase de Sonia tout à l'heure. S'il joue à ce jeu, il risque de subir le joug de l'adversaire. Comment écris-tu les deux joues, Lynn? Buzzer avant. Non, je vais donner
silence plateau. Okay, 30 secondes. Le premier joue, c'est J-O-U-E. Et le deuxième, c'est J-O-U-G. Ce sera ton dernier mot. Exactement. Bon point. Vous montez à 18. Extinction de lumière sur Lynn, la retardataire. On va démarrer ou poursuivre avec notre cher Russ Tiger. Russ Tiger. Oh. Russ Tiger. Question plutôt accessible aussi. Il est formellement interdit d'introduire des poules dans les poules des entreprises. Comment écris-tu les deux poules? 30 secondes. Il est formellement interdit d'introduire des poules dans les poules des entreprises. Enfin, du moins de l'entreprise. Buzzer avant. 30 secondes. Bon. On ne souffre pas dans le public, silence. Le premier poule, c'est P-O-U-L... S. On ne souffre pas dans L-E-S. Voilà. Maintenant, le deuxième pool, c'est P. O. U. L. E. Ce sera ton dernier mot. 5 secondes. Oui. Vous tombez à 16. Il y a le S. Poule. P-O-U-L-E-S. Deuxième poule. Poule. P-2-O-L-S. Non, pas piscine. Pas piscine, c'est en anglais. C'est comme ça qu'on dit. En anglais, poule, c'est comme ça. Poule. Team, l'équipe. La team, c'est ça comme poule dans les équipes, là, quand il y a match. Ah, attends, je n'ai pas match. Quand il y a Cannes, là, les poules. Ah, je pensais que ça. Ça, c'est le premier, là. Bon, il y a le pool informatique, le pool... hein? Okay. C'est pas très évident. C'est pas évident. Extinction de lumière sur notre ami Russ Tiger. Vous êtes à 16, ils sont à 9. Chilis, une phrase plutôt simple. Faut juste de prêter attention. Notre véhicule est tombé en panne quand nous transportions cette jeune panne blessée chez le vétérinaire. Premier panne, P-A-2-N-E. Deuxième panne, P-A-O-2-N-E. Ce sera ton dernier mot? Oui, évidemment. Bon point. Pourquoi vous m'avez toujours fait ça? Non, mais c'est échec. Non, mais c'est terrible, hein? C'est fort, hein? Ça combine. On te brille. Que la lumière soit. Boule, boule de moi, oui, amène-y, boule, hein? Une panne. Qu'est-ce qui est compliqué dans Marie-Marie? Un pain, une panne. Non, Marie-Marie, ça va, mais ton c'est pour moi, là, tu dis quoi? J'avais pour toi. Non, Marie-Marie, ça va mal. J'avais pour toi. J'avais pour toi, j'avais pour toi, j'avais pour lui. Moi, j'avais pour toi, j'avais pour vous trois aussi. Moi, j'avais pour tout le monde. Moi, j'avais pour tout le monde. Qu'est-ce qui est simple dans tout le monde? Le mou du raisin, c'est le premier jus qu'on retire du raisin avant d'en faire du vin. Vas-y. On j'avais pour vous tous. On avait pour vous aussi. Alors, dernier tour de table, je rappelle le score. 17. 9. On va passer à présent à ce qu'on appelle ici... On ne peut plus égaliser. À la queue leu-leu. Si, il y a possibilité d'égaliser. Attention, on perd des points. Écoute bien. OK? Plus besoin de buzzer. Je vous explique le principe avant de lancer le sweeper. Je vais choisir quelqu'un et donner un mot pour démarrer. Il faudra utiliser la dernière lettre de ce mot pour construire un mot. Si je dis mèche, c'est toujours au singulier. Il va utiliser le E de mèche. Si je désigne comme ça Lynn, il va falloir utiliser le E de mèche pour dire élégant, par exemple. Si je dis Sonia, elle dira... Tartampion, parce que élégant, c'était à la fin. D'accord. Il ne faut pas redire une proposition qui aura déjà été faite autour de cette table. Okay. Sommes-nous OK? Pardonnez, elle peut ne pas jouer. Oui, si elle accepte qu'on lui retire les points qu'elle a donnés à l'équipe. Oh, c'est bon. C'est 2 points. Et qu'est-ce qu'il a trouvé 2? Allez, on débarre cette affaire. Je dis, pour simplifier les choses, mauve pour Russ Tiger. 3 secondes, hein. Moins 1. Vous tombez à 16. Je ne suis plus même. Oui. OK, mais vous tombez à 16. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est fini, on est à 16. C'est 3 secondes. On est à 16, mauve. Mais tu as compris le principe? Si je dis mauve, c'est E à la fin. OK. Désolé, je n'avais pas compris. C'est bon, mais... J'avais dit quoi? Élégance. Non, là, c'est là, là. On lui retire le point ou pas? Oui. Je n'avais pas compris. Non, très bien. C'est pas grave, j'assume. Je dis... Corset.
Pour Tutti. Talon. OK. Sonia. Naturel. Glisse. Éprise. Lynn. Moise. 15. Non, 15, 9. Je dis dread au singulier pour fashion. Distinctement. Distinctement. Terriblement. OK. Sonia. Troubadour. OK. Tutti. Ra. OK. Glisse. Tami. Lynn. Sociable. Génial. Fashion. Élégant. OK. Tutti. Terminaison. Rust Tiger. Sauvage. National, national. Moins un. Combien de temps? Une minute de tour de table. Okay. Attention, glisse. Je te regarde et je dis perruque pour fashion. Évidemment. Faut dire, évidemment. Évidemment. Moins un. Fashion à neuf, ouais. Tutti. Teinture pour Rastiger. Et les... Non, pardon, je suis désolée. Enfin. OK. Lynn. Travail. Sonia. Lent. Tutti. Turbulent. Fashion. Teinture. Turbulent, teinture. OK. So, glisse. Épuisement. Tu as dit quoi, têtu? Teinture. Teinture, c'est ça? Épuisement. OK. Lynn. Épuis. Non, elle a dit épuisement. Épris. Non, elle a dit épuisement. C'est moins un point, moins un point. On n'a pas avancé. On ne perd plus le temps. Nous, on a 8 points. Sonia, Sonia, temps. Le temps. Sociabilité. OK. Chi. C'est toi, oui. Tutti. Émergence. OK. Glisse. Emballage. Rust Tiger. Enchaîné. Ouais, participe passé, c'est valable. Lynn. Ration. Non, enchaîné, participe passé. Ah, pas chier. Oh, la ce sera tout pour ce, à la queue de lui, ce sera tout d'ailleurs pour cette confrontation. Ah, c'est moins un point. Pourquoi c'est pas un point? Oh, je parle un point. Pour mettre un terme à cette confrontation de ce soir, je vais rappeler le score. 8 pour les Lions. Et 13 pour les Rastas. Ça vient, ça vient. Il reste un peu. Ça vient. Ça vient, non, c'est terminé là, c'est fini là. Martin, il pose, juste derrière. Ça vient, ça vient. En définitive, on dira que ce sont les Rastiles qui ont la dernière voix dans cette affaire. Yo, voilà. Yo. Ah ben voilà, tu vois en plus. Bon allez, alors la pub, juste derrière, ben, la dernière voix sera sur la scène pour accompagner la dernière voix. Tout de suite. Tout pour cette télé d'ici, porte du week-end. Merci Sonia. À lundi. Ouais, à lundi. À lundi, glisse. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on referme ceci naturellement en musique avec dernière voix. Voilà. Dernière voix maintenant live, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve lundi. D'ici là, take care. Se tenir la main, hey.
tunnel n'est plus loin. La chance qui souriait qu'aux autres. Moi je leur ai dit que notre chance elle dépendait de Dieu. Il nous a ouvert les bras, il nous a permis d'être toujours à la tête. Il nous a offert la chance de participer à cette aventure. Peu importe les disputes, peu importe les querelles, partageons tous l'amour du chant. Oh, si vous pensez pour moi, moi, mais mon cœur voulait une autre fois. Moi. Allez, merde, je me lance dans le délire. Une nouvelle vie qui commence à me plaire. De saint plaisir nous voilà dans la mer. Encore des galères, encore des emmerdes. Comment se sortir, on saurait le dire. Mais nous qu'on fait, on y arrivera pas. Le bout du tunnel n'est plus loin. Rastiger, Rastiger, yeah. Ken pour les intimes, intime, Fashion pour les palabreux, Lynn pour les retardataires et Tutti pour les lions quoi. Ouais c'est ça. Mais... Ah ouais. Courage, bravo pour la suite, bon vent pour la suite. Merci. Dernière voix accompagnée par l'excellent T-Band. Merci d'applaudir.